Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce carton exceptionnel qui est un des joyaux de cette présentation? Alors, on peut dire d'abord et avant tout que c'est un paradoxe. Paradoxe parce que Michel-Ange, qui a été certainement le plus grand des fresquistes et à la plus grande ampleur du XVIe siècle, eh bien, on ne conserve pas de Michel-Ange de carton pour ses fresques en dehors de ce morceau. Pas de carton pour la chapelle Sixtine, ni le Jugement dernier, ni la voûte. En revanche, ce fragment de carton pour la chapelle Pauline, qui est une œuvre qu'il dessine quand il a 70 ans. Et à un moment où c'est le vieux Michel-Ange qui se dit « Tout ça, c'est trop fort pour moi, c'est trop grand. » Ah bon ? Oui. Mais il a quand même une dimension presque surhumaine, quoi. Alors, cette dimension surhumaine, pour lui, représente un effort humain très, très... colossal. Très... Mais un carton, ça sert à quoi? Alors, le carton, en l'occurrence, il s'agissait de donner un patron, un modèle, à l'échelle 1, de 1 sur 1, de la composition à peindre. Et techniquement, ça sert à reporter la composition sur l'enduit frais de la fresque avant de peindre. Mais donc, ça veut dire que ce n'est pas lui qui fait la fresque, c'est lui qui fait le carton? Si, ça veut dire que lui fait le carton, ce carton, ce qu'on appelle le bel cartone finito, donc qui est une maquette à l'échelle 1, et immense, hein, vraiment la dimension de la fresque, de la composition. Mmh. Et puis après, il s'agit de reporter la composition. D'accord. C'est une œuvre absolument prodigieuse. D'abord, parce qu'elle est unique, hein, c'est le seul grand carton de fresque conservé de Michel-Ange, mais aussi parce qu'il y a un soin apporté au dessin, qui est un soin paradoxal. Il n'y a pas besoin d'autant d'informations, en fait, pour reporter le carton. Et en même temps, c'est un souci de perfection, mais porté dans un domaine qui est celui de la terribilita, hein, de cette énergie, de cette puissance monumentale que Michel-Ange développe, mais qui développe avec, non pas brutalité, mais avec raffinement.